said them things, I come stand. I get it, I'm amped. I whip it, I can bag. I flip it, I can stack. Yeah, this my job. You is a fraud. I might snatch your broad and tell her, let's mob. Bitch, I'm about to shoot you without no fucking question. So they call me Money Maker, Maker, Maker. Everybody knows I am no gangster. I'm a such a killer gangster, you never see me nigga, but you know my name. Host the Doug and LCK, get a fame in this game, what about you, Wayne? I make you brain, I shoot you brain, you feel the pain before I grab your chain. I'm on top with a Glock on the block, nigga, watch you got shot, I got lock, and you kissing my cock. Yes, I am this killer, bigger than a little gorilla. I'm coming in and out and up and on, it's smart just like a dealer. Let this bitches trippin', oh yeah, let this pussies poppin'. I'm about to watch him on the floor, booty shaking for real. I'm chillin', though, I'm shining like a bitch with a super bad bitch, how you about to blow? You better keep it chill. When you see me hit the pussy, motherfucker, stay away from me, never push me. What you wanna try? Can you tell me why? The reason nigga wanna be, I'm a tough guy. I'ma spit on your haters, Glock in my hand. What you gonna do, boy? I'm the real. Yo, what's up? Ici ton boy Skill by B, niggas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de mouvements spéciaux. Alors, on va aller droit au but directement. On va regarder ça ensemble. Alors, en posture de dribble, je vous conseille de mettre la faible. Comme d'habitude, ça change pas. On va laisser la faible. Le crossover, je vous conseille de mettre le 2. Crossover 2. Il y en a qui utilisent encore. Enfin, qui essaient d'utiliser le crossover 4 parce que tu peux faire les cross 16. Perso, moi, je trouve pas ça assez efficace pour pouvoir changer son cross. Donc, je conseille de mettre la 2. En plus, je peux faire le crossover 16, je vous montrerai comment faire avec le crossover 2. Il est plus efficace en effet de surprise en fait. Donc mettez la 2, c'est le meilleur crossover tout simplement. Drip dans le dos. Alors le drip dans le dos, je vous conseille de mettre la 10. Après, il y en a d'autres qui sont plus efficaces aussi. Enfin, pas plus efficaces, qui sont aussi efficaces. Ben moi j'utilise la 10. En drip renversé, moi j'utilise la 15. Parce que tu peux faire des spins en mouvement et tu peux faire des speeds statiques. Je veux dire ça. Après, il y a le 6. On utilisait surtout que 15 et il y a le 5 pour faire des spins statiques, mais tu pourrais faire des spins en mouvement. Donc pour moi, c'est la 15 tout simplement, la plus efficace. Donc je laisse la 15. Hésitation, très important pour le prochain tuto des dribbles parce que c'est un tuto avancé. Moi, je veux que le joueur il aille vite, donc je vous conseille de mettre la 4. Après la 3, moi je trouve plus ça efficace parce que tout le monde l'utilise. Et au parc, franchement, on défend tous sur des gars qui ont des hésitations 3, donc je trouve plus ça. Assez efficace à mon goût, donc je mets les distractions 4 tout simplement et ça booste le joueur en effet, speed boost et tout ce qui est move en fait. Donc c'est pour ça que je mets la distraction 4, très important. Si vous voulez apprendre à dribbler rapidement, mettez les distractions 4 pour le prochain tuto, je vous le conseille. Size up spécial, je mets la 27. En fait, c'est le size up de ma carrière, elle équivaut à celle du parc. Ensuite, size up iso crossover. Ce size up, il est très très important pour le prochain tuto. Je vous conseille de mettre l'arrière 1. Celui-là, personne. Enfin, en général, vous mettez Jamal Crawford. Je vous conseille de mettre l'arrière 1. Très très important. L'arrière 1 en ISO inside out. Voilà. Donc, en ISO crossover. ISO crossover, ça ne change pas. C'est l'arrière 1. Et ensuite, en size up de dégagement, bien sûr, c'est Kobe. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est la fin de cette vidéo, les gars. Je vous dis à la prochaine dans le prochain tuto dribble. C'était ton boy Skill by Bill Z. Peace, boy.